Les amis, bonjour à tous. Réaction au tirage au sort de cette nouvelle Ligue des Champions. Je suis hypé, je suis hypé par ce nouveau format. Ça apporte du changement, ce classement général avec tous les clubs. J'aime bien les chapeaux qui s'affrontent, j'aime bien et voilà. Voilà le tirage au sort intégral pour les grosses grosses équipes. On va revenir club par club et surtout sur le Real Madrid qui va affronter le Milan, Dortmund, Liverpool, à chaud comme ça. Avant d'analyser club par club... La, ma première réaction ça a été... Ça aurait pu être pire... Quand je vois certains clubs ce qu'ils ont tiré... Par exemple le PSG... On a... Un tirage... Abordable... Favorable... Largement accessible... Pour terminer... Aux 8 premières places... Je vous ai expliqué ce nouveau format... Dans la vidéo d'avant-hier... Ou d'hier... Je ne sais plus le D'avant-hier... Donc le Real s'en sort bien... Et on va voir ça... On va voir ça... Parce qu'il y a beaucoup... Beaucoup de choses à dire... Mais avant ça... Avant ça... Il y avait... La remise des trophées au GOAT. Buffon qui a reçu le trophée de meilleur gardien. Alors, j'adore Buffon. C'est mon gardien préféré. C'est mon gardien préféré. Mais il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Donc, qu'il reçoive un trophée pour euh, le meilleur gardien de la Ligue des Champions, ça peut me gêner un petit peu. Ça aurait pu être un Casillas, un Neuer. Mais bon, ça m'a fait tellement plaisir de le revoir. En plus, avec Cristiano Ronaldo qui était donc là à Monaco pour recevoir ce trophée de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà à quoi ressemble le trophée. Il est sympa et surtout, au-delà d'être sympa, il est unique. C'est le seul joueur dans l'histoire qui possède ce trophée-là. Donc ça, ça a une portée énorme et j'étais évidemment content hein, parce que ça fait maintenant longtemps qu'il n'a pas remporté de trophée euh, individuel. Il a bientôt 40 ans et, et c'est normal, mais j'étais content de, de le voir euh, bah, soulever un trophée, ça faisait longtemps et ça, ça rappelle de très très bons souvenirs et euh, qu'ils aient marqué comme ça, qu'ils aient scindé l'ancienne version avec la nouvelle en donnant des récompenses à des joueurs prestigieux et comme l'a dit Sefrin, tu penses Ligue des Champions tu penses Cristiano Ronaldo C'est ce que je vous avais dit, donc évidemment très content de la récompense du Portugais. Mais on commence avec le tirage du Real Madrid. Donc vous le savez, il y aura 8 matchs, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Donc les matchs à domicile sont les suivants Dortmund, Milan, Salzbourg, Stuttgart. J'aurais préféré qu'on reçoive Liverpool, puisqu'on on ira donc à Liverpool, on ira à l'Atalanta pour le remake de la Supercoupe, on ira au LOSC et à Brest. Franchement, mis à part Liverpool. Je pense que tous les autres clubs sont abordables. Pour moi, les 4 matchs à domicile, tu dois prendre euh, 12 points. Il y a ce match à Liverpool qui sera compliqué. Ce match à l'Atalanta, à Lille également. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu le lot de toutes les équipes qui vont aller à l'extérieur. Ça sera de toute façon très compliqué pour toutes les équipes. Mais voilà, on a des clubs prestigieux. Et ça, j'en voulais. On aurait pu avoir euh, un tirage plus difficile. Mais on a du Liverpool. On a du Milan. On a du Dortmund pour le remake aussi de la dernière finale de la Ligue des Champions. Ça, ça me gêne un petit peu. C'est ce que je voulais éviter, Dortmund, parce qu'on les a affrontés il n'y a pas longtemps. Même chose pour l'Atalanta. J'aurais voulu un petit peu de 109. Mais après, on a du Salzbourg, du Stuttgart. Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais ma première réaction, c'est que c'est largement abordable. Le match qui me hype le plus, c'est peut-être bah, le Real Milan. Parce que c'est les deux clubs qui ont remporté le plus de fois bah, la Ligue des Champions bah, sur l'ancien format. Euh, et puis il y a Liverpool. Liverpool, franchement, ça va, ça va être dingue. Il y aura à chaque fois des avant-matchs spécifiques et évidemment des débriefs à chaud pour toutes ces rencontres. Euh, on va voir les, les, les autres clubs. Donc ça, c'est le Real. Hein, pour ceux qui veulent voir domicile extérieur, je trouve que finalement, euh, je préfère les matchs à domicile. Je trouve que ça nous arrange mieux qu'on ait ces matchs-là à domicile plutôt qu'à l'extérieur. Surtout, Mbappé va rencontrer son frère, ça c'est rigolo. J'aurais voulu qu'Mbappé rencontre le PSG, mais peut-être que ça sera ça pour les huitièmes ou les quarts de finale, si le PSG se qualifie. Mais il y aura le duel des Mbappé, donc dans le storytelling, dans l'histoire à raconter dans le match, le match dans le match, mais ça sera la, la confrontation des deux frères et ça c'est sympathique. Le tirage du Barça, on fera un récap à la fin de la vidéo. Bah, le Barça, à l'instar du Real Madrid, j'ai envie de vous dire qu'ils ont un tirage euh, abordable. Hein. Bayern, euh, c'est pas le meilleur Bayern des dernières années Et Dortmund, en chapeau 1 Atalanta, Young Boys Ils ont le Benfica euh, Ils ont Monaco, attention Monaco Ils les ont battus lors du trophée euh, Gam Gamber Je crois qu'on dit Donc ouais, c'est un, un, un tirage qui est euh, Qui est abordable pour le Barça D'autant plus que, il bah, y a toujours cette histoire Entre le Barça et le Bayern dans la Ligue des Champions ça C'est assez rigolo Il y a l'Atalanta aussi euh, mais ouais, je pense que le Barça se qualifiera. Ouais, moi je pense que le Barça euh, terminera dans les 8 premières places. Alors à voir hein, selon les blessures et tout. Mais il y a cette nouvelle dynamique avec Hansi Flick. Finalement, l'équipe la plus compliquée c'est le Bayern et ils la reçoivent. Euh, L'Atalanta c'est compliqué, ils la reçoivent. Il y a ce déplacement à Monaco, ce déplacement à Benfica, ce déplacement à Dortmund. C'est vrai que ça fait peut-être 3 déplacements compliqués pour eux. Mais ouais, moi je pense que le Barça, ils ont largement les moyens d'être dans les, dans, les, dans, les, dans les 8 premières places. Le PSG par contre, attention au PSG. Tirage de la mort. City, Atletico, PSV, Gironne, Munich, Arsenal, euh, c'est Salzbourg et Stuttgart. Pour moi, il n'y a aucun match facile pour le Paris Saint-Germain. Et moi, je pense que le PSG, ça sera compliqué pour eux d'être dans les 8 premières places. Je peux me tromper, hein Alors, ils ont la chance de recevoir City, mais ils vont quand même à Munich, ils vont à Arsenal, euh, ils ont un déplacement en Autriche et en Allemagne qui ne seront pas évidents. Ils ont Giron qui est l'une des surprises, et on connaît très bien ce club en, 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 parmi les abonnés et tout ça. Ben, on, on les a vus l'an passé, Giron, ça sera pas facile. Est-ce qu'ils vont confirmer cette année On verra. Le PSV qui sort d'une saison extraordinaire en Eredivisie je crois qu'il n'y a pas un club qui a eu un tirage plus compliqué que le PSG. Ils n'ont pas beaucoup d'attaquants. Et dans les matchs qui seront serrés, alors ils ont une marge énorme en Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, ça sera plus serré. Et je vous, ré je vous récapitule le format. C'est les 8 premiers sont directement qualifiés. Et les 9e au 24e vont faire des barrages. Le 9e rencontre le 24e, le 10e le 23e, le 11e le 22e, etc. etc. Et tous ceux qui seront au-delà de la 24e place, directement éliminés. City. Alors City, je voulais en parler parce qu'ils ont souvent des tirages hyper abordables et j'ai envie de dire que encore une fois c'est le cas. Inter, Bruges, Feyenoord à domicile. Je pense qu'ils feront le carton plein. Le PSG, la Juve, le Sporting, c'est compliqué. Ok, à l'extérieur, encore le Sporting. Il y a vraiment ouais la Juve sous Mota. Le PSG et l'Inter, mais ça reste un tirage largement abordable pour les hommes de Gordiola. Et si je dois mettre un favori à la première place, ça sera à mes yeux le Real ou City. Et plutôt City pour la première place du, du classement général. Mais ouais, je suis hypé parce que rendez-vous compte que chaque semaine on aura des chocs de malades. Juventus, City, PSG, Arsenal, Real, Milan. Mais ça va être la folie. Donc évidemment, tous les matchs du Real seront à suivre sur cette chaîne-là. Et pour tout ce qui est le reste des rencontres, ça se passera sur mon autre chaîne, le vestiaire. Donc allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Leverkusen. Alors je voulais qu'on parle de Leverkusen parce que c'est un club qui est pour moi indirectement lié au Real Madrid de par son entraîneur. Et il y aura des matchs compliqués, spectaculaires. L'Inter, Milan, Salzbourg, Liverpool, Atlético, Feyenoord, Brest pour les Leverkusen. On verra comment ils vont aborder cette euh, phase de, de Champions League en plus du championnat. Mais ça va faire pareil de sacrés matchs. Imaginez-vous le, le Liverpool-Leverkusen. Ça va être le feu. Ça va être dingue les amis. Ça va être dingue. Franchement, je, je suis hyper hypé. Liverpool qui va rencontrer Leverkusen, le Milan, le Real, Bologne, le PSV, Giron, Lille. Pareil, Liverpool, normalement ils devraient s'en sortir. Ils seront pour moi dans les 8 premières places. Ils ont un tirage qui est... Pour moi, à part le Real et l'Everkusen, ils peuvent remporter toutes leurs rencontres. Voilà. Je pense que Liverpool sera dans les, dans les 8 premières places. Compliqué hein, de faire des pronostics sur le classement parce qu'il y a tellement de matchs, tellement d'équipes, tellement d'équipes différentes. Et, euh, et je voulais mettre Arsenal aussi. Arsenal, ils ont le, un, un tirage qui est pour moi largement abordable. Ils seront dans les 4 premières places. Arsenal, PSG, Shakhtar, Monaco... Inter Atalanta Sporting Giron. Ouais, Arsenal, c'est les 4 premières places. Un tirage plus qu'abordable pour les gunners. Euh, ouais, je suis hyper hypé. Alors je ne vous ai pas mis toutes les équipes. Je vous ai pas mis la Juve, euh, les autres clubs anglais, etc. Mais euh, franchement, je suis plutôt satisfait de notre tirage. Parce que, accessible. C'est pas un tirage de la mort. Mais on a quand même des clubs mythiques avec bah, le Milan. Liverpool, Dortmund, enfin, c'est quand même des clubs qui ont tous remporté la Ligue des Champions. Donc euh, voilà, on a, on a le récap ici. Le Bayern, ils ont le PSG, le Barça, Benfica, Shakhtar, Feyenoord, Aston Villa, Benfica. Donc compliqué pour le Bayern. Euh, ouais. ouais, voilà, je crois que j'ai tout dit hein, sur les tirages. Je crois que j'ai tout dit, mais... Euh... Donnez-moi votre avis sur le Real. Est-ce que vous êtes satisfait, déçu Est-ce que vous auriez voulu un tirage euh, plus compliqué plus abordable, franchement, il euh, y a deux déplacements en France, donc ça c'est bien en tant que bah, français d'avoir des matchs de, du Real en France. Peut-être qu'on ira les voir, je sais pas si des sponsors peuvent me suivre. Est-ce qu'on ira au Bernabeu Suspense, peut-être qu'il y aura une annonce dans quelques jours. Je dis ça, euh, je dis rien. Euh, ouais, alors le match à avoir au Bernabeu, si vous y allez, pour moi c'est le Milan. Hein. Euh, voilà, club mythique euh, Dortmund, ok, c'est peut-être finaliste, mais pour moi le club mythique qu'on va recevoir c'est Milan. Mais on n'a pas de super super choc style Real City à domicile. On aura le choc qui sera à l'extérieur, sera Liverpool. Mais voilà, normalement ce Real, ça termine dans les 4 premières places. Donc si je dois faire un bilan pour moi des 4 premiers, je vois Liverpool, Arsenal, City et le Real, dans les 4 premières places. Dans les clubs qui vont se qualifier dans les 8 premières places. Euh ah, C'est compliqué pour l'Inter. Hein. Ils, ont, ils ont quand même City, Arsenal, Leverkusen. Mais ça devrait le faire, je pense, pour l'Inter. Ça devrait le faire pour le Barça. Dortmund aussi. Je pense que Dortmund, ils ont moyen de se qualifier dans les 8 premières places. Euh, le PSG et, et, le, et le Bayern Munich. Euh, attention, méfiance. Méfiance pour, euh, pour le PSG et, et le Bayern qui ont hérité pour moi de tableaux plutôt compliqués. Mais, euh, mais voilà. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo tirage. Nous on se retrouve ce soir hein, pour euh, le débrief du Real Madrid. À Las Palmas, en espérant début de début de Vinicius, une large victoire. Donc voilà les amis, donnez-moi votre avis dans les commentaires. C'est une vidéo un peu chill, pas très travaillée, c'est normal, c'est une réaction à chaud. Et euh, on reviendra peut-être un peu plus tard à froid sur ce tirage. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Bon ou mauvais tirage Est-ce que vous êtes déçu Et surtout, qui va remporter cette phase de groupe Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à ce soir à minuit pour le débrief du Real Madrid. Ciao les amis